Bonjour à toutes et à tous. Les conditions de jeu, vous voyez, sont parfaites. Les tribunes, évidemment, sont bien garnies. Bref, tout est en place pour un magnifique spectacle. Dans vos oreilles, la team Dada, Benjamin Da Silva, c'est moi. Et on a un peu les écarts, évidemment, c'est lui. Et si l'on en croit la feuille de match, un sacré spectacle. Pologne contre la Roumanie. Et oui, le football, c'est notre richesse à tous. C'est notre plaisir depuis que nous sommes forts. Et bien, un match, on a tous un peu le même âge, n'est-ce pas? Polonaise. Le 5-3-2, ça dit déjà une chose, la solution sera sur les côtés. Maintenant, avec ce système, tout est possible. Il va falloir bien occuper la profondeur. Apathique, difficile d'immobiliser le public. Tout le monde a besoin d'air pour vivre. Ça y est, le coup d'envoi est donné. Sa lucidité et sa précision, son aptitude à être dans l'eau.
Il doit réagir maintenant. L'arbitre fait un choix, pas de carton jaune sur cette ligne. Bon, tant mieux. Mais attention, parce que l'arbitre risque de l'avoir. Deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Et donc on reste là, c'est la fin de la première période. Au niveau offensif, sa prestation est loin de ses standards habituels. On se demande quel est son poste dans ce match, tellement son positionnement est bas sur le terrain. On dirait que son poste, c'est pas avant-centre, mais aide-milieu.
C'est bien battu aujourd'hui, mais on a vu trop de fautes et d'inattention en défense, trop de déconcentration, et à ce niveau, ça ne pardonne pas. Mais on a réellement apprécié sa performance, vraiment très intéressante. Quand on repense à sa performance, tout est plutôt bien passé. C'est un bon match de sa part et de toute l'équipe. Il y a encore de la marge, mais c'est déjà pas mal.